Yam out. Viens. Viens mon bébé Maut. C'est l'heure. Viens mon pépère. Voilà. C'est l'heure du nettoyage. Bah oui. Bah oui, c'est l'heure du nettoyage, Maut. Oh, ouh là 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 là. Ouh les poils. Où les poils, hein? Où les poils, où les poils? Bah oui mon cœur, bah oui. Alors regardez, hein? Il leur demande, hein? Il leur demande, hein? Hein, tu me demandes, hein? Tu en demandes. Ah mais là, attends, je suis obligé d'enlever là. Viens, papa y met. Papa y redonne. Regardez. Ah, ils sont en train d'en mettre dans mon bol. J'espère que vous allez bien. Il est midi. Oui, Maut. Oui, bébé Maut. Ah ouais, mais là, t'en as trop, là. Fais-moi ça. Et tout ce que tu as. T'en as une tonne. Moi ça. Hop. Oh, il y a beau petit bébé Maut. Oh, voilà, il va être tout beau comme ça, Maut. Hein? Il va être comme ça le bébé. J'ai intérêt à bien nettoyer la table. Hein, hein mon cœur. Bah oui. Bah oui. Regarde-moi ça. Yeah. Ils sont en train d'enlever sa peau. Le temps aujourd'hui il fait super beau. Il fait super 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 beau. Hier il faisait quand même 23 hier. Hein. Il faisait 23 hier. Donc, vous placez comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir. Oh, voilà, moi que je mette la lumière. Voilà, je vais essayer de vous mettre correctement. Voilà. Avec ma houe, c'est pas facile. Viens là. On entend, oh, je racle. Enfin, il y a autant sur la table que... Voilà. Oui. Oui, ma route. Mais approche-toi là.
Ah, mais pas dedans, dans la queue dans ton truc. Viens là. Elle vient faire le beau. Ça va, c'est pour le nettoyage des oreilles. Voilà. Oui, le petit Maouch. Oui, le petit Maouch. Bah oui, mon bébé. Oui, Maouch. Il fait nettoyer les papates. Oui. Oh, mais s'il te plaît, tu. Il est en train de mordre. Bah oui, hein. Bah oui, faut bien que tu te nettoies. Doucement! Lâche-moi! 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 Il est mort. Mais allez, Maouche, lâche-moi! Mais t'es sérieux là? Petit frépouille. Petit frépouille. Allez, lâche-moi. Ah, quand je vais nettoyer les oreilles, tu vas voir. Tu veux toi aussi bébé un petit peu? Ça, n'ai pas peur. Papa, il t'a fait la dernière fois. Oh, qu'est-ce qu'il est peureux. Il faut toujours qu'il sente. Oh, le petit bébé. Oh, le petit bébé. Bah oui. C'est mieux que la brosse. Hein? Au moins, ça, ça fait pas mal, ça. Ça râpe un petit peu, mais voilà, c'est pas pareil que la brosse, vous savez, d'un côté dur et un côté doux. J'en ai une comme ça aussi. Mais ça, c'est le gant, c'est mieux. Non, mon bébé, bah oui. C'est mieux comme ça, ils ont les poils. En plus, ils ont les poils bien, bien doux après, bien brillants. Voilà, comme ça, ils se sentent tout beaux. Hein? Ça, bah, elle a pas trop. Il n'y a pas trop. Oh, il y en a un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Heureusement, j'en ai un deuxième. Celui-là, quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention, il était déchiré. J'ai pas assez. Une fois arrivé à la maison, je fais oh mince, il est déchiré, bordel. Du coup, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le courage de le ramener au magasin. Oui, Maout. Bah oui, Maout. C'est bien que tu as. Regarde, il est tout beau, Maout. Eh, lâche-moi. Lâche mon pull. Ouais, parce qu'il ne veut pas que je touche à sa patte. C'est la patte où vous voulez tomber. Quand il était petit, ça s'est remis, mais il n'aime pas trop qu'on les touche. Donc j'évite de la toucher. Doucement. Je te fais pas mal, Jaco Maout. M'a griffé en forêt. Hein, t'es bien content que papa t'enlève les poils? Hein? T'es en train de faire tes poils d'hiver? Hein? Allez, encore un petit dernier coup. Hein? Et après, c'est bon.
Hein? Et après, on nettoie les petites oreilles. Hein, monsieur Maout? Par contre, on en a mis plein la tronche. À tes poils là. Voilà, il est tout beau. Il est tout beau et tout bien coiffé. Voilà. Où est tout beau le mouse? Ouais, c'est dans les charbonquets comme ça. Plus tu le coiffes, plus il en a. On dirait que c'est infini. Vois ça. T'auras beau le coiffer pendant 3 heures, il perdra énormément de poils. Pourtant, je lui fais régulièrement. Hein. Et c'est pas là, ça fait presque 2 semaines que je l'avais pas fait. Ouais, la dernière fois, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu la dernière fois. Oui, bébé. Oui, petit bébé, un petit coup. Et petit coucou, bébé. Et petit coucou, bébé. Oui, petit. Voilà. On a fait l'autre côté, mais le côté là, on n'a pas fait. Hein? Parce que ton frère est en train de te mettre des poils partout. Hein? Hein, mon bébé? Oui, vous êtes bien là. Oh, c'est l'heure du nettoyage. C'est l'heure du nettoyage. C'est l'heure du nettoyage. Après, on va nettoyer les oreilles à ton frère. Hein? Bon, oui, on va nettoyer les oreilles à ton frère, comme papa a tapé la dernière fois. Hein? Oh, il est tout beau, le blaco. Hop, les petites papattes. Allez, je vais nettoyer les oreilles, hein, blaco. Maout. Tant que je t'ai là. Après, je sais après. Ah, tu m'as agrippé, enfoiré, hein. Hein? Hein, tu m'as griffé. Allez, hop, c'est nettoyage des oreilles. Eh oui, c'est comme ça la vie, Maout. Hop. Mais oui, je sais. Je sais. Je sais, t'aimes pas ça, mais c'est pareil, c'est ça? Oui. Oui, Mahoud, je sais, t'aimes pas ça, mais regarde le caca là. T'as vu le caca? Papa, il fait pas mal, il fait doucement. Oui, je sais, Mahoud. Oui, Mahoud, je sais. Eh! Quand c'est docteur, tu me disais rien? Voilà. On va faire l'autre. Hein? On va faire l'autre oreille. Donc, faut bien prendre l'oreille. La tirer. Et... T'arrêtes? D'habitude, tu fais pas ça? Bon, elle n'a pas envie. Je vais faire autrement, je vais nettoyer comme ça, avec un petit peu d'eau. J'ai plus de... J'ai plus de trucs. Doucement. Voilà. Là, papa fait pas mal.
Je sais que t'aimes pas, mais faut nettoyer l'oreille. Hein? Faut nettoyer ton oreille. Voilà, tu vois, papa, plus doucement. Comme ça, t'auras plus l'oreille qui gratte. Voilà, t'as les oreilles caca. T'as vu les oreilles caca, toi? Je vais changer celui-là. C'est vrai, un chat n'aime pas trop ça pour lui nettoyer les oreilles, mais bon. C'est pour son bien que je fais ça. Et comme du fait qu'il se gratte, comme du fait qu'il se gratte, regarde-moi ça. Voilà, comme ça, tu auras pu te gratter. Allez, caca. Caca dans l'oreille. Alors ça, si vous savez le faire, vous le faites. Mais sinon, bah vous allez voir le... Doucement. Voilà, on va faire l'autre. Hein? On fait l'autre et après je t'embête plus. Hein? Comme ça, moi, ça sera fait. C'est pour de... Des petits trucs, là, de... trucs philologiques, là, je sais pas quoi, là, un peu comme les yeux. Comme du fait qu'il se gratte, donc c'est peut-être ça aussi qui lui fait un petit peu mal. Voilà. Donc faut pas hésiter. Comme si c'était votre oreille. Bien sûr, vous faites tout doucement. Voilà, ça on enlève tout le caca. Allez, encore un petit coup, et après c'est tout. Papa ne t'embête plus. Hein? Nettoie bien, ce papa ne peut pas te nettoyer correctement l'oreille. Oui, je sais, je sais. De toute façon, si je n'arrive pas à bien te nettoyer, je vais être obligé de t'emmener voir le médecin. Comme ça, moi, lui, il va te nettoyer correctement. Voilà, papa l'a fini, ça y est. Il t'en met plus. Voilà mon bébé. Oh, t'as été courageux, c'est bien. C'est bien, mon bébé, c'est bien. T'as été courageux. Ah, par contre, j'ai oublié de faire tes non-œil. C'est bien, maman, t'as été courageux. Papa va juste te nettoyer les nonoïs. Après, ça y est, je t'embête plus. Allez, nettoie les nonoïs. Doucement. Voilà. Voilà, mon bébé. Hop. Voilà, c'est tout propre. On fait l'œil? On fait l'autre? Hein? Allez, on fait l'autre. Voilà. Doucement. Doucement. Voilà. Hop. On va appuyer. Voilà. Et voilà le petit néné. Et voilà, Maout, il est tout beau. Il est tout beau. Mouah. Par contre, toi, viens là. J'oublie ton... Hey, je ne pars pas là. Parce que toi, j'oublie ton... Nettoyer ton oeil aussi. Ah ouais, je sais, t'aimes pas ça. Oui, que papa, faut nettoyer ton œil.
Regarde le caca, tu as, t'as vu? T'as vu tout le caca, tu as? Bouge pas. Après, tu fais pas mal. On essuie. Et voilà. Mouah. Ça y est, c'est tout beau aussi. Papa, tout nettoyé. Voilà, vous êtes, comme ça vous êtes tranquille pour un bon moment. Voilà. Bon petit coup de nettoyage. Ah, Maout. Ah, mon goût dit Maout. Bon, oui. Et moi, ça, j'étais. Les poils. Ah, c'est incroyable, hein. Déjà, t'as les poils plus doux, déjà. Hein? Je t'ai enlevé au moins 3 millions de poils. Hein? Papa, ils ont mis 3 millions de poils. J'ai beau le coiffer, mais c'est incroyable. Il en a encore plein. Il en a plein, 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 plein. Il va en avoir marre. Ça vole de tous les côtés. Oh, oh, hey, si tu veux être beau pour le mariage, hein, faut te laisser coiffer, hein. Hein? Faut te laisser coiffer si tu veux être beau pour le mariage. Hein? Si tu veux être beau pour le mariage à Marie-Laure. Avec Marie-Laure, faut être tout beau. Hein? Là, on ne voudra pas te marier avec toi si tu si t'es moche. Voilà. Là, je vais le faire, regardez. Il en a encore plein. J'en ai un peu moins que tout à l'heure. Je vais même faire une perruque après. Tiens, tu peux faire un petit tour dehors aussi? Allez, hop, voilà, comme il fait pas froid, un maout, c'est vrai. Passer un coup à la table, comme ça va accrocher les poils. De toute façon, la toile, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, je vais la changer, je vais mettre une autre toile. Celle-là, je vais la dégager. Elle est morte. Voilà Maout, t'es tout bop. T'es tout bop. T'es tout bop bop. Voilà, toi et ton frère, vous êtes tout beau. Donc je l'avais payé 1,49€ à Action. Là, vous en trouvez, hein. Vous en trouvez à Action. Ou même maintenant, même sur les marchés. Si vous faites des marchés, ceux qui vendent à 1€, 1,50€ les produits, c'est soit des Hindous ou des Pakistanais, vous en trouvez aussi maintenant. Mais j'en avais vu d'une autre couleur en rouge. Ça a été pas mal en rouge aussi.
Mais je crois bien que je l'ai pris en roule, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. J'avais super bien rangé, mais avant qu'elle soit tombée derrière. Et ça encore, c'est une galère pour le récupérer. Surtout quand je vais déménager, je me dis, ah bah tiens, il est là. Donc bah voilà. Voilà cette petite vidéo de nettoyage de ma housse. Chacun son tour, hein, comme c'était prévu. Là j'en ai profité qu'il soit là. Voilà. Vous comprenez pourquoi des fois je veux pas que ma housse il soit sur la table quand je fais à manger ou quoi que ce soit. À comparer à Blanco, hein, c'est pas le même poil. Hein. Pour ça, il y en a beaucoup qui critiquent, disons, qui disent tout le temps, ouais, pourquoi Blanco est sur table et pas ma housse. Donc, vous comprenez pourquoi je veux pas. Hein, parce que si un jour je vous fais venir inviter à manger, et puis avec la table pleine de poils, vous allez voir si vous allez être ravis de manger avec des poils de chat. À mon avis, non. Ça m'étonnerait que vous appréciez de manger avec des poils de chat sur la table, ou même dans vos assiettes. Donc c'est pour ça, des fois, quand je dis non, c'est non. Surtout quand je suis à manger. Pour ça, des fois, même quand je fais les courses, j'aime pas trop qu'ils soient sur la table, parce que les poils, ça peut rentrer partout, ça va partout les poils. Ça va sur les affaires. Allez, chat. Oui, vous êtes tout beau. Ah, bah oui, vous êtes tout beau. Oui, vous êtes tout beau. Donc aujourd'hui, je me suis levé, il était 10h. J'avais plus sommeil. Il est 10h, là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. J'ai fait la petite vaisselle, j'ai rechangé un petit peu la litière. Et j'ai regardé 4-5 vidéos. Des fois j'ai mis des pouces, des commentaires. J'ai mis plein de commentaires patou. Ah, c'est vrai. Ah, tu m'as mis plein de poils, ma houtte. J'en ai plein dans la tronche. J'allais prendre ma douche. Prendre les poils. Là, ils sont en train de faire le ménage un peu partout. Oh mon bébé. Dans les escaliers, tout ça, depuis ce matin, ils n'arrêtent pas depuis 7 heures. Et puis, voilà, donc je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas, je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc hier j'ai fait ma petite recette d'ailleurs que je vous ai mis sur en vidéo. Que je vous ai mis en vidéo. Oui je sais, il est midi, je suis encore en pyjama. Mais comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas très longtemps que je me suis levé. En tout cas, très très bon. La recette que j'ai fait hier, super bien cuite, super réussie. Et moi, avec les côtes de Chine, la façon que j'ai fait un peu Tex-Mex, franchement, je me suis régalé. En plus, la viande hyper tendre. Ça, pour ça, là, la viande de chez Leclerc, bon, des fois, elle est un petit peu chère. Mais au niveau... Hein, mais au niveau du goût, et puis la texture de la viande, franchement, elle est géniale. A été bien tendre, j'avais bien cuit et tout. Et avec le barbecue, ça a donné un petit coup sucré-salé. Je me suis régalé. Franchement, j'ai tout mangé. Même mes pâtes à l'arrabbiata, c'était super, super, super bon. Même Cécile, elle a beaucoup aimé. Oui, c'était la première fois que je le faisais.
super bien aimé. Alors pour quelqu'un soi-disant qui sait pas faire à manger, qui sait faire que de la plonge et puis éplucher des légumes, hein, n'est-ce pas Séverine et puis Brigitte? Mais vous, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous louper. Hein. Chaque jour, je vais vous en mettre plein la tronche. Hein, vous avez su me descendre sur l'autre chaîne, je vais pas vous louper. Chaque jour, vous allez avoir droit. Ça vous apprendra à me descendre plus bas de terre. Vous pouvez appeler la police, hein. Moi aussi j'ai des amis policiers, hein. Ne vous inquiétez pas. Et sinon, sinon au niveau de la toux, bah, ça va un petit peu mieux. Au niveau de la toux, ça va un petit peu mieux. Bon, je tousse encore un peu, mais beaucoup moins qu'au début. Le nez, je mouche presque plus. Par contre, c'est Cécile qui a repris le relais. Mais elle n'a pas les mêmes symptômes que moi, c'est bizarre. Hein. Elle n'a pas du tout les mêmes symptômes. Voyez, Cécile, elle commence à moucher jaune, donc c'est pas bon, quoi. C'est que ça commence à être bien pris. Parce que moi, c'était que. C'était blanc, c'était pas du tout jaune. Donc, Cécile, elle doit faire autre chose que l'urino-pharyngite. Mon dos, c'est toujours pareil, laisse tomber, j'ai beau prendre des cachets. Je sais qu'un lumbago, ça peut durer 2 à 3 semaines, si c'est pas plus. Mais bon, faut que je retrouve ma ceinture, parce que je sais, je m'étais acheté une ceinture l'année dernière. Et comme je ne travaille plus là-bas, bah, je l'ai ramenée à la maison. Et je ne sais plus qu'est-ce que j'en ai fait. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Je sais pas où je l'ai mise, faut que je fouille partout pour la retrouver. Ça m'a coûté un peu cher, hein, ma ceinture. On m'en a pas fait cadeau. Et puis, bah, je vais être obligé de la remettre. Pas le choix. Tant que j'aurai plus mal au dos. Même là, des fois, j'ai envie de. Si je la retrouve, je la mets, mais. Je sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Donc, là, je vais en profiter. 32. Je vais profiter d'être un petit peu avec vous pour faire mon nettoyage de cuisinière. Parce que la dernière fois, j'ai. Enfin, la dernière fois. Je vois pas pourquoi je dis la dernière fois. Hier soir, je devais le faire et ça m'a franchement ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'avais pas du tout envie de le faire. Du coup, je vais le faire là ce matin, comme j'ai fait la vaisselle. J'aurais dû le faire déjà là quand j'ai fait la vaisselle. Hop. Donc, on va le faire. On va descendre. On va le faire ensemble. Hop. Donc, vous voyez, hein. Allez, caca. Allez, caca. Ça, c'est le manger d'hier soir. Donc, on va enlever tout ça. On va nettoyer la table de travail aussi. Pour ça, j'en profite que je sois avec vous pour faire ça un petit peu aussi. Voilà. Et ça, top. Ça dégage. Ça dégage. Hop. Ça va passer un petit coup là. Et on va nettoyer. Hein, mon bébé? Mon petit bébé? Hein, Maout? Ça va, Maout? Ça va, Mayout? Mayouyout? Donc, avec mon petit produit, je pense en ramener. C'est un truc pour nettoyer le four. Mais ça décape super bien. Mais ça, c'est des trucs vraiment professionnels. C'est des produits. C'est ça. Mais seulement, c'est des produits que vous n'allez pas trouver dans le commerce parce que c'est professionnel.
professionnel. Et normalement, on doit prendre avec des gants, mais moi j'ai l'habitude de nettoyer sans gants. À l'époque, quand je travaillais dans le ménage, on utilisait énormément, énormément de produits. Et je ne mettais jamais de gants. Si j'aime pas travailler avec tes gants, ça me gêne. Ça me gêne quand je nettoie avec les gants. Hop, je prends un paquet de fer, c'est mieux. Ça enlève toute la merde. Pour ça, moi, ma cuisinière, elle sera propre pour ce soir. Voilà. Désolé, je suis obligé de faire des va-et-vient parce que le lavabo est de l'autre côté. Poussière, je l'ai fait la dernière fois.
Oh, désolé. C'est parti tout seul. C'est la nature. Ça, les journaux, je vais les foutre à la poubelle. Ça me saoule, là, les voir, là. À moins que ce soit les journaux de... Ah non, c'est les journaux d'hier. Je les ai pas lus encore. Après, ça va partir à la poubelle. Hop, je ramasse le plus gros. Après, je vais les rincer. Voilà. Ma vieille cuisinière des années 40. Ah tiens le coup encore, hein. Ça commence à tomber en ruine. Ah tiens le coup cette cuisinière. Je suis content de l'avoir d'un côté. C'est une cuisinière que j'ai sauvé la vie. C'est une cuisinière qui devait être détruite, complètement broyée, comme les voitures. Donc on m'a dit soit tu la prends ou je la dégage. Elle passe sous les trucs là où, pour où ils cassent les voitures, là. Enfin, c'est un autre truc, ça s'appelle un autre truc, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est un broyeur, mais spécial, tout ce qui est cuisinière, frigo. Donc, du coup, on l'a récupéré. Et ça fait plus de... c'est ça, ça fait 19 ans que je suis accessible. 19 ans que je suis avec Cécile, ouais, ça fait à peu près pas très loin des 20 ans qu'on l'a, la cuisinière. Je sens qu'on commence à être fatigué parce que je le sens quand j'allume le feu. D'habitude, elle chauffe direct, elle est tout de suite chaude, mais là, j'ai un même petit peu de temps à se mettre au chaud. Donc, ça veut dire qu'elle va me durer jusqu'à temps qu'elle va me durer, et après, ben, voilà, je crois que ça sera fini. Elle va mourir, la cuisinière. Donc, j'ai toujours connu des cuisinières comme ça. Hein. Chez mes grands-parents, c'était ça. Chez mes parents, c'était un truc comme ça. J'ai toujours connu ça. Aïe. C'est quoi, j'ai mis ? Ouais, faut que je fasse ma...
Faudra que je fasse ma grille aussi, quand j'aurai acheté les fameux tampons là. Comme ça je ferai ma grille. Je ferai ma grille, je ferai la plaque aussi. Ah, c'est Nat qui avait trouvé une astuce avec de la marc de café, avec du produit sur une éponge, gratte gratte. Vous mettez de la marc de café et vous nettoyez avec ça, et apparemment ça. Elle l'a montré, apparemment ça nettoie bien. Je vais même t'étonner. J'ai le yoke. C'est la marque de café, je savais, pour les plantes. On peut mettre la marque de café dans les plantes pour enrichir la terre et la plante. Ça fait du bien pour la terre. Je sais qu'à l'époque, ma mère regardait toujours la marc de café. Elle mettait toujours dans la plante, enfin dans ses plantes, même dans le jardin, elle vidait ça. Mais pour nettoyage des plaques de four, je ne savais même pas. Quand j'ai vu ça, je dis ah d'accord. Et voyons, on en apprend tous les jours, hein. N'importe quel âge, on en apprend. Voilà. Bon, ben voilà. Je suis content, ma cuisinière elle est propre, comme ça j'aurai pas besoin de la refaire. Ça suit tranquille. D'ici ce soir, ça soit d'ici ce soir, ça va être encore dégueulasse. Mais bon, comme ça au moins elle est propre. Voilà, je suis tranquillou. Donc voilà, une cuisinière toute propre. Hop, on ferme. On passe un petit coup. Voilà. Ouh. Donc voilà. Donc après, je vais faire mon gratte-gratte frigo. Sur mon gratte frigo parce que la glace, ça y est, elle s'est réformée. Dans le frigo normal, ça y est, j'ai nettoyé il y a 2 jours. Il y avait un gros morceau de glace, donc j'ai tout enlevé. Et là, il faut que je fasse absolument le truc, parce que c'est en train de pomper au niveau de l'électricité. Alors, tant que pour l'instant, tant que j'ai pas beaucoup mal à mon dos, je vais en profiter, je vais le faire. Et puis après voilà, comme ça après je serai tranquille. Je serai tranquille, je vais reboire un café. Je vais être tranquille. Ça sera fait comme ça. Et quand ça ira un petit peu mieux, on a toute la salle de bain nettoyée. Ça commence à être un petit peu cracra, surtout le parterre. Il commence à avoir des taches et tout. Avec la poussière. Surtout la baignoire, faut que je trouve le truc bang bang là. Anti-bang là, je sais pas comment on appelle ça là. Ou le truc qui a action. Je sais que ma belle-sœur l'achète, qu'elle a dit que c'est un produit hyper puissant.
Le problème, c'est que nous, on n'a pas d'aération, on n'a pas de fenêtre, donc on peut pas ouvrir. J'ai peur que si j'achète ça, on risque de s'en prendre plein la tronche. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. On est obligé de re-nettoyer correctement la douche. Vraiment à fond, on la nettoie, mais bon, elle est pas nettoyée à fond. C'est vraiment du nettoyage vite fait, bien fait, quoi. Enfin, moi, je la nettoie comme j'ai fait avec la lavabo là. Tout bien nettoyé. Et après, bon, là, on est tranquille pour un bon petit moment, quoi. Mais c'est vrai, ça fait un bon petit moment. C'est vrai, ça va un bon moment qu'on a parfait la salle de bain. Selon la salle de bain, ouais, faut au moins faire tous les. Vraiment bien à fond, faut faire au moins tous les ans, quoi. Même avant, tous les 5 mois, 6 mois. Faut bien la faire à fond, comme ça après t'es tranquille. Ça va pas se ressalir en 5 minutes. Hein. Donc voilà, faut que je fasse ça. Ouh, il faut que je fasse ça. Voilà, donc je vais faire le congèle. Bon, ce sera juste une petite vidéo simple. Hein. Donc, et non, c'est pas pour vous apprendre à nettoyer un congélateur. Hein. Je sais que vous savez tous que nettoyer un congélateur. Voilà, c'est juste faire une petite vidéo sympathique. Comme c'est les deux autres qu'ils ont dit là. Comme quoi que je vois pas pourquoi je ferais des vidéos de ménage et tout. Ça fait l'impression que je vous apprends à nettoyer, à faire les poussières, à nettoyer tout. Alors, déjà qu'ils apprennent déjà à nettoyer chez eux, déjà, là. La Cyrine et puis la Brigitte, là. Ils apprennent déjà à nettoyer avant de critiquer les autres. Donc, allez, voilà. Parce que si... Si un C4, je dis ce que vous avez dit sur Miss Gazelle et sur certaines personnes, je pense que vous allez. Ça va chauffer pour vos matricules, quoi, à mon avis, quoi. Si je parle. En ce moment, je parle beaucoup en privé avec Miss Gazelle. Si je lui dis certains trucs, je crois que. À mon avis, j'irai me planquer dans un trou de souris, quoi. Miss Gadget, c'est pas moi, quoi. Donc, Wally Walou. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Il est 53 minutes, ouais, c'est bien. Tranquillou. Donc, si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sur la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis Kenavo, je vous dis Ejda. Et on se revoit pour une prochaine petite vidéo de je sais pas quoi. Peut-être de blabla, de vlog, j'en sais rien, on s'en fiche. En tout cas, allez, je vous fais de gros bisous et à une prochaine. Ciao, ciao!